Salut les gars, dans cette nouvelle méthode de bypass de téléphone portable que je vais vous montrer sur ce téléphone qui est la marque la K7 qui est sur le mode FRT. Il va falloir que tu ouvres d'abord, tu allumes ton téléphone normalement et quand le téléphone est allumé et que ça se retrouve automatiquement sur cette interface là. Ce que tu dois faire, le problème que tu as brièvement, c'est le mode, c'est le problème de FRP. Donc tu dois supprimer le mode FRP avant d'avoir accès au menu de ton téléphone. Lorsque tu arrives à ce niveau que cette fenêtre s'est ouverte, il suffit de cliquer sur le logo que tu veux naviguer avec et puis sur une seule fois. Et voilà, c'est un téléchargement, s'est ouvert directement. C'est parce que moi j'avais déjà, dans le temps précédent, j'avais ouvert cela par moteur de navigateur Google Chrome. Et là maintenant, ça c'est Olbastos, donc c'est-à-dire le site de téléchargement des app, donc c'est-à-dire les petits trucs que tu peux, les petites applications que tu peux voir qui permet de débloquer, de bypasser certains téléphones portables Android. Là maintenant, à ce niveau là maintenant, c'est sur ce site de téléchargement des applications, des firmware pour les app, les APK, tu devrais juste voir comment est-ce que tu as téléchargé. En cliquant dans le téléchargement, tu trouves que c'est déjà téléchargé comme ceci. Tu cliques là et puis tu installes. Tu attends que ça s'installe. Bypass FRP venrom.net. Là, tu installes d'abord l'autre là pour que ça puisse prendre d'abord l'assise dans le BIOS de téléphone portable afin de procéder normalement pour bien accéder à la mémoire au BIOS de téléphone et de supprimer maintenant le compte FRP qui est là, qui est sur ton téléphone. Voilà, tu cliques sur OK. Là maintenant tu installes Development Setting. Voilà, maintenant tu ouvres Development Setting. Et là, quand tu ouvres Development Setting, ça t'envoie directement dans le réglage de téléphone portable. Et arrivé au réglage, tu vas à Sécurité et tu vas à Développeur Administrateur.
tu entres dans, tu cliques sur administrateur de l'appareil. Quand tu as cliqué sur administrateur de l'appareil, tu désactives, tu décoches celui-ci, la localisation, l'équaliser mon téléphone, tu décoches. Voilà, tu décoches ainsi. Lorsque tu as décoché ainsi, tu fais juste maintenant un petit déclic en arrière, un petit retour. Tu retournes, tu fais retour en arrière et tu fais encore retour. Là maintenant, quand tu arrives sur le réglage que tu avais ouvert par le développement de l'appareil, maintenant tu cherches l'application. Voilà. Tu cliques sur l'application. Quand tu es sur l'application, rassure-toi de bien chercher. Voilà. Là, tu ouvres service, tu désactives le service Play Store. Service Google Play, tu désactives ça. Et tu montes encore quelque part là. Là, tu cherches maintenant Google Play Store. Tu désactives Google Play Store, tu désactives. Et quand tu finis d'activer, tu retournes en arrière. C'est-à-dire tu rentres sur le réglage. Compte. Et voilà. Maintenant, Google, tu appuies sur Google pour pouvoir ajouter un compte Play Store. Avant d'activer déjà l'entrée au menu, l'accès au menu de ton téléphone portable Google. Là, maintenant, ici, à ce niveau, tu patientes pour que cette interface-là s'ouvre. C'est-à-dire l'interface de Google Play Store. Oui, pour pouvoir ajouter un compte. Et là, c'est bon.